La Game Mania a pris fin samedi dernier du côté du Centre des Congrès d'Épinal à l'issue d'une semaine entière consacrée à l'univers des jeux vidéo, un univers en mouvement perpétuel. Là, cette année, nous avons proposé l'ensemble des tournois un maximum de jeux gratuits, comme League of Legends, comme Team Fortress 2. Donc, ce qui permet aux joueurs de s'initier toute la semaine, de faire le tournoi le samedi et de rentrer chez eux et de pouvoir télécharger ce jeu également gratuitement. Et le petit phénomène du moment, c'est donc ce jeu League of Legends, free online ou téléchargeable gratuitement en bon français. Un jeu par équipe qui requiert visiblement beaucoup de concentration, 45 minutes à minima de partie ultra stratégique. Physiquement, c'est éprouvant ? Bah, un petit peu, normal, quoi, comme toute partie, quoi. Mais non, ça va. Ça va. Ça s'est passé comment ? Bon, on a perdu, ça a été serré, mais bon, ils ont été meilleurs que nous, et puis c'est tout, voilà. C'est le sport. Et c'est vraiment un jeu stratégie de A à Z. Parfois, c'est simplement un coup de chance. D'autres fois, c'est simplement une meilleure gestion. Pour les plus grosses équipes, c'est souvent la première équipe qui commet une petite erreur qui décide la partie, quoi. Vous assumez votre geekitude, on va dire ça comme ça ? Ah oui, oui, complètement. Ça, depuis que j'ai 6 ans, je joue. C'est plus qu'une passion, quoi. C'est ma vie, quoi, presque. Un monde essentiellement masculin, peuplé d'adolescents barbus qui vivent coupés du monde, par et pour le jeu. Un cliché beaucoup trop gros pour être vrai. Pourtant, l'image persiste. Elle existe encore, mais ce qu'on essaye de faire au Cyberead, c'est de pas avoir le côté très long et addictif sur les consoles ou sur les PC, parce qu'on essaye toujours de les faire tourner et de changer de jeu pour qu'au moins ils découvrent et qu'ils restent pas scotchés pendant des heures sur le même jeu. Les 12e Cyberead ont vécu, rassemblant plus de 350 passionnés rien que sur la journée de compétition samedi, sur PC ou console. Le Conseil des jeunes de la ville d'Épinal n'a aucun souci à se faire. Ils seront sans doute au moins aussi nombreux l'année prochaine à martyriser claviers et manettes.